arrive que je te blesse. Juste une faiblesse, je t'ai dit, je te laisse. Je fais sentir ta tristesse. Je me rends compte que c'est moi qui t'agresse. La façon dont tu m'aimes avec celle d'un père n'est pas idem. Devant toi, je suis une fleur que tu arroses à chaque heure. Juste de mes rêves. Bonjour et bienvenue sur Glory TV avec notre frère Tony. Nous allons passer un bon bout de temps. Je pense que ça vous fera plaisir. Bonjour, frère Tony. Bonjour. Frère Tony, vous êtes chanteur de l'Éternel. Vous êtes businessman. Vous êtes réalisateur. Permettez-moi de vous présenter ainsi. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Oui, frère Tony, vous êtes détenteur d'un album. Alors, pour commencer, je voudrais que vous puissiez me définir qu'est-ce que la musique. Oh, la musique. Et la musique, c'est une art de combiner les sons d'une façon agréable à l'oreille. C'est connu par tout le monde. Mais c'est aussi une façon de communiquer. C'est aussi l'art de communiquer, en fait. Alors, frère Tony, vous avez un album. Comment s'intitule l'album que vous avez? Alors, le titre de l'album est en anglais, Because of Jesus, qui veut dire en français à cause de Jésus. Donc voilà. Pourquoi vous l'avez voulu intituler en anglais? Parce que là, on est en Amérique. Et il y a des chansons en anglais dans l'album, il y a des chansons en français. Bien sûr, il y a des chansons en lingala. Mais j'ai voulu que l'album puisse. J'ai voulu que les titres puissent être en anglais parce que nous vivons dans un pays anglophone. Ce qui aspire déjà à des visions de chanter en anglais. Ok, merci beaucoup, frère Tony. L'album que vous avez, vous l'avez réalisé facilement? Ah, si je dois dire facilement, non. Et ce n'était pas facile. Pour être vrai, ce n'était pas facile. Pourquoi vous êtes en Amérique? Vous êtes au pays de l'oncle Sam. Tout est possible ici? Oui, le pays de l'oncle Sam, où oncle Sam te réclame chaque jour pour travailler pour lui et le payer. Oncle Sam ne te donne rien gratuitement. C'était compliqué pour réaliser tout cet album. Mais par la grâce de Dieu, je puis le faire. Il a mis sa main et voilà, l'album est là. Il contient combien de titres? 15 titres. 15 titres? Yeah. Vous pouvez aller vite. C'était les titres. Les titres, waouh, ça c'est... Tu sais, des fois, nous, les papas, on oublie même les noms de nos enfants. On oublie les dates de naissance, donc c'est compliqué. J'ai 15 titres. Je vais te donner peut-être un peu en random. Donnez-moi la mesure du possible. Il y a Avec joie. Il y a Je déclare. Il y a 23h30. Il y a I cry. Il y a. Je pense que ça suffit déjà. C'est beaucoup. Mais quel est le message clé dans cet album-là? Le message clé dans l'album, c'est Because of Jesus. Qu'est-ce que nous comprenons Because of Jesus? Qu'est-ce because que vous voulez vraiment nous dire là-dessus? À cause de Jésus. À cause de Jésus, me voilà devant toi. Le souffle de vie qu'il m'accorde chaque jour. À cause de Jésus, j'ai la grâce. Le mot grâce n'allait pas exister sans Jésus, sans l'œuvre de la croix, sans son amour pour nous. À cause de Jésus, je suis appelé à faire la mission qu'il m'a ordonnée de faire de toutes les nations ses disciples. Frère Tony, le titre de l'album est en anglais. Je voulais savoir quel style de la musique vous avez joué là-dedans. Parce que à nous faire écouter déjà les titres, vous avez joué comme à la congolaise ou comment? Bon, il y a des chansons en anglais et en français, en lingala, mais le style est un peu anglo-saxon, du genre il y a l'R&B, il y a un peu du groove, pop, et puis voilà, je fais aussi un peu du rumba, mais à la Anthony. Je fais du rumba à la Anthony.
Ça veut dire que c'est du rumba, mais avec une touche qui est particulière, quoi. Avec la modernisation actuelle, mon frère, est-ce que... Quels sont les avantages et les inconvénients avec la modernisation actuelle? Bon, les avantages de la modernisation est que ça part vite. Aujourd'hui, les sons sortent, il est sur iTunes, il est sur YouTube, Facebook, donc ça part très vite. WhatsApp, tout le monde peut te voir ou t'écouter. Est-ce que vous vous retrouvez financièrement comme le musicien de d'autrefois? Il faut dire que financièrement, d'abord, cette œuvre que je fais, cette œuvre que nous faisons, si je prends la musique, je ne sais pas comment je peux t'expliquer sur la musique, si les gens se retrouvent financièrement. Mais ce que je fais d'abord, c'est Dieu d'abord. C'est lui qui bénit et c'est lui qui sait combien j'ai mis mon cœur dans ça. Il me bénira. Je ne vois pas d'abord l'argent, je ne vois pas... Bien sûr qu'on a investi, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Frère Tony, vous dites, ce que vous faites, c'est Dieu d'abord. Bon, on y arrivera à l'événement, okay. Mais je vis là-bas, vous avez mis... L'entrée, c'est payable? Bien sûr. Pourquoi? L'entrée est payante, c'est 20$. Parce que la musique est chrétienne, Dieu a dit, vous donnez gratuitement, il vous a donné gratuitement. Uh-huh. Donnez aussi gratuitement. Bien sûr. Pourquoi vous mettez l'entrée payante? Pour faire cette musique-là, il faut faire la vidéo. Il faut d'abord commencer par les sons. Je suis allé très loin d'abord, pas même la vidéo. Donc, nous commençons d'abord par être inspiré. Mm-hmm. Par exemple, avec la guitare là, qu'on achète aussi. Tu l'achètes à 200, 300$. Ça dépend, la guitare peut arriver même à 1000$. Tu achètes la guitare, tu as d'abord l'inspiration. Tu lis la Bible. Là, c'est les temps et l'inspiration que Dieu te donne. Mais pour rentrer en studio, il faut payer de l'argent. Tu payes par heure. Il y a des studios qui te prennent 60$ à l'heure, d'autres 100$, d'autres 200$. Ça dépend de quel studio tu veux. À part cela, là, c'est l'heure. Ce n'est pas une chanson de 200$. Ce n'est pas une chanson 60 ou 100$. C'est l'heure. Quand tu vas maintenant payer tout ça, ça te fait un budget, ok, que tu dois dépenser pour un album ou pour une chanson. Et tu termines cette chanson, tu commences à réfléchir comment tu dois faire les clips. Tu trouves un réalisateur et un caméraman, un réalisateur, quelqu'un qui fait la lumière, vous mettez les idées ensemble et on fait ton clip. Voilà, tu dépenses encore. Pour promouvoir ce clip-là, tu dois payer, soit tu payes Facebook Promotion ou bien tu payes les chaînes de télé back home au pays. C'est comme ça on faisait, tu payes aux chaînes de télé et puis on passe ta musique. Tout ça, c'est de l'argent. Et comment tu veux que ce soit gratuit? Oui, la parole qui est à l'intérieur, elle est gratuite. Tu vois, ouais. Quand vous écoutez, quand vous me regardez sur Facebook, est-ce que vous payez quelque chose sur Facebook pour me regarder? Non, vous ne payez rien. Sur YouTube, vous ne payez rien. Alors, quand il s'agit d'un concert, ces concerts, normalement, c'est une fête de sortie d'album. Mais quand les gens payent 20$, par exemple, pour ces cas ici, ils auront un CD gratuitement. Ils auront à grignoter quelque chose gratuitement. Ils auront la parole de Dieu gratuitement, des bénédictions de Dieu gratuitement. Donc, les 20$ ne signifient rien. Je ne veux pas être ingrat, mais ça ne signifie rien par rapport au travail et au temps que nous avons mis sur ce travail. Et je ne compte même pas récupérer avec ça. Ok, frère Tony, parlons album. Yeah. Est-ce que ça a été facile de trouver un producteur ou bien c'est vous-même qui avez produit votre produit? Yeah, il faut dire que le premier producteur, pour moi, comme c'est une œuvre chrétienne, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné l'inspiration. Et c'est lui qui m'a donné les finances pour le faire. Il m'a, comme on dit, comme les gens, les chrétiens le disent, quand Dieu donne la mission, il te donne aussi la provision. Quand il te donne une vision, il pourvoit aussi la provision. Tu vois? Ok, nous sommes avec notre frère Tony. Nous nous retrouvons après cet élément. Ne zappez pas, nous... Nous sommes de retour sur le plateau avec notre frère Tony toujours. Frère Tony, est-ce que vous avez un message aux fans, au public qui est en train de vous suivre maintenant? Le plus grand message d'abord est que Christ est vivant. Et qu'il nous fait grâce. Voilà,
Et je viens vous annoncer que ce 19 novembre à 18h, j'ai dit bien à 18h, sortie officielle de l'album Because of Jesus, à cause de Jésus. L'adresse est là sur votre écran. Donc, je vous invite tous, les peuples de Dieu, les pasteurs de Dallas, les frères en Christ, les frères que nous aimons beaucoup, tout le monde en tout cas, confondu, je vous invite à venir adorer, glorifier le Seigneur, party together dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce 19 novembre. Frère Tony, vous pouvez leur mettre un peu du sel à la bouche. Vous avez la guitare, Frère Tony. un peu du sel à la bouche. Ok. Sans plus tard, je vais jouer, mais j'ai déjà chanté une chanson, hein, mon frère. Je vais tout écouter. Vous savez, la musique, c'est vraiment meilleur à écouter, quoi. Ok. Même si le temps a stoppé et que plus rien n'avance devant moi, le soleil depuis qu'il se cache derrière l'horizon, même si je suis confié après toutes ces saisons et que mon histoire n'est plus belle à lire, en toi Jésus je pose toute ma foi. Un aveugle, toute ma confiance en toi, aïe, et j'avance sur mon chemin. Tu es celui qui dirige tous mes pas, tu m'es conduit sous ta grâce avec joie. Je sais que moi j'arriverai à bon port. Oui, sous ton parapluie rempli des grâces. Ah, je pense que ça vous a fait plaisir. Ces jours-là ne manquons pas. L'adresse est là. Ne manquons pas ces jours-là. Je pense que Dallas, nous sommes vraiment bénis. Nous avons beaucoup de talent ici à Dallas. Yeah. En voici un. Frère Tony, vous n'avez pas une surprise pour nous? J'ai une surprise pour vous. Laquelle? Laquelle? C'est en train de venir. Tu peux un peu enlever le viseur. Je vais... voilà. Nous avons le CD qui est là, Because of Jesus, qui est déjà prêt. Donc, si vous voulez, c'est déjà pour ces 19. C'est 19. Tu achètes ton ticket, tu as le CD free, il y a 15 titres, Because of Jesus. Et je suis vraiment, I'm pretty excited to show you this. I'm really happy. C'est un album qui contient 15 titres? Yeah, 15 titres, comme j'ai dit. Ok. Yeah. Voilà. Donc, ce jour-là, on a qu'une seule adresse. Yeah. Et qu'une seule adresse plutôt. L'adresse est là en bas. Ne manquons pas vraiment cet événement. Venez nous, que nous puissions louer Dieu. Mm-hmm. Dieu sera content ce jour-là. Je profite de l'occasion. Mm-hmm. J'allais ajouter quelque chose en achetant les billets qui est 20$, qui revient à 20$. Vous avez les CD gratuits, vous avez à manger. Et à la fin, il y aura un concours comme tirage au sort. Si le numéro de ton ticket gagne, tu peux gagner les écouteurs Beat by Dre ou 200$, 300$ jusqu'à 1000$. Ça dépend de votre grâce ces jours-là. Que Dieu vous bénisse. Ça commence à quelle heure? Nous commençons à 18h. Nous commençons à 18h et nous terminons à 21h30. Okay. Donc, soyez vraiment à temps. Nous n'allons pas garder les gens jusqu'à minuit parce que dimanche, il y a culte. Donc, nous allons essayer d'être un peu prompt avec les temps. Frère Tony, vous serez seul au podium ou bien sur le podium, bien vous avez invité d'autres? Non, il y a les invités. Il y a le frère Ginkele, il y a maman Linangoya, il y a le frère José Mouela et tant d'autres qui seront là ce soir-là pour louer et glorifier le Seigneur en train de fêter la sortie de notre album. Merci beaucoup, ne manquons pas cette occasion-là. Je profite de l'occasion pour vous annoncer aussi l'arrivée de l'homme de Dieu, le pasteur Baruti. C'est 30 novembre, il sera déjà ici à Dallas avec son épouse. Mis à part ça, le 10 décembre, il y aura une production à l'église de Pasteur Papi Lusala.
il va se produire. C'est un mini-concert, comme lui-même appelle ça. Je pense que l'invitation aussi est lancée à tous les enfants de Dieu, ceux qui aiment de la bonne musique, venez ce jour-là, le 10 décembre, venez adorer, venez louer notre Dieu. Il y a aussi Maman Linangoya qui venait de se produire ce samedi passé. En tout cas, ça a été une bénédiction, j'ai causé avec lui, bien que je n'étais pas présent. Mais il m'a dit que tout cas, ça a été très très merveilleux. Il y a aussi notre frère Patrice Moubiaï qui va se produire à North Carolina, dans la ville de Charlotte. Ça sera le 3 décembre. Ça sera le 3 décembre. Ce sont là les nouvelles que nous avions. Je pense que notre émission vient de toucher à sa fin. Je ne pouvais pas quitter ce plateau sans pour autant saluer ma chère épouse. C'est son mois, le 22 décembre. Le 22 décembre, c'est son anniversaire. En tout cas, maman, je te salue déjà. Je te souhaite happy birthday. Frère Tony, nous tendons déjà vers la fin. Est-ce que vous n'avez pas un dernier mot? Un dernier mot? Je n'ai pas un dernier mot. J'ai plus qu'un dernier mot. En tout cas, une salutation. Un dernier mot, c'est il y aura toujours des émissions. Mm-hmm. Je comprends. C'est ma façon de... ma philosophie. Je n'ai pas un dernier mot, mais j'ai la continuité. J'ai dit toujours quelque chose. Mm-hmm. Et par après, nous allons continuer. Bon. Pour dire que c'est la fin de l'émission, j'aimerais saluer ma chère femme Gloria et puis mes enfants et tous les pasteurs de Dallas en métroplex. Que Dieu vous bénisse et je vous attends le 19. Nous allons louer et glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avions notre frère Rémi à la prise de son. Notre frère Arnold Mwanza à la réalisation. Merci beaucoup, c'était Glory TV avec MHD, son label. Que Dieu vous bénisse beaucoup, à la prochaine occasion.